d'être là. Félicitations. Bon, en tout cas, merci beaucoup, monsieur Lancelot, de votre patience. Merci patience, monsieur Valérie. Ça, c'est important. C'est important pour notre école. Ça a duré longtemps, mais voilà. On remercie aussi les bénévoles, les donateurs qui nous ont aidés pour acheter ces murs-là, qui vont servir à une école trilingue. C'est important. Bonne chance. Et on remercie notre. Et on remercie aussi Maître Bonnary. Nous sommes le 12 juillet, enfin, on a signé. Voilà. Voilà. Vous êtes bien évidemment propriétaire. Voilà. Félicitations. Voilà. Mais ce n'est pas fini. Sans propriétaire, il faut faire des travaux. C'est un gros bâtiment qui est de 2000 m² sur un terrain de 3000 m². Il faut le mettre aux normes et nous avons besoin de votre. Alors bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans les locaux du projet Amena. Alors grâce à vos dons, nous sommes enfin propriétaires des locaux de la future école. Alors je vous propose de me suivre pour vous montrer à quoi ont servi vos dons. Bonjour les amis. Tout d'abord, je peux vous dire que je suis très très fier. Très fier que ce projet a vu le jour. C'était une mission impossible. Première fois que Samir est venu me voir, c'était une montagne très compliquée de récolter une somme aussi importante et pour réaliser ce projet à Montpellier. Nous l'avons fait. Nous sommes propriétaires de ce bâtiment depuis juillet dernier. Un grand merci. Salam alaikum, bonjour. Je m'appelle Soumaya, j'ai 7 ans. Je vais vous parler de l'association qui porte le projet MNA. Le projet MNA est un projet magnifique de créer une école trilingue à Montpellier. Oui. Trilingue et même plus. Alors maintenant, vous allez avoir un temps d'activité Montessori, d'accord? Donc vous allez avoir le droit d'utiliser toutes les activités qui sont sur ces deux étagères, d'accord? Donc un par un, vous allez choisir une activité et vous vous installez à vos places. Alors les enfants, nous allons faire un petit jeu. Nous allons faire du calcul mental. 1 plus 1 plus 2 4 moins 2 là 1 moins 2 Thank you. Very good. Assalamu alaikum ya atfal. كيف حالكم؟ Parce que ce projet-là, c'est pas pour, que pour les enfants de Montpellier, c'est il faut que ce soit un modèle pour toute la France. Sinon, on le fait, c'est que les autres, ils peuvent le faire. Un grand merci pour tout. Objectif, les amis, c'est de finir les travaux en juin 2018. Et pour faire la rentrée de 2018. Hyper important, ça va trop vite. Donc, comptons sur vous, les amis. C'est pas fini, le projet pas fini, nous avons besoin de vous. Salam alaikum, donc je suis la maman de Mariam qui a 4 ans, qui fréquente l'association et depuis le mois de septembre, donc je suis très satisfaite de l'équipe pédagogique qui est très à l'écoute des enfants et des parents aussi. Et donc ce que je voulais vous dire, c'est soutenez-les, Inch'Allah, afin que l'année prochaine elle puisse ouvrir ses portes. Alors likez, partagez et suivez-nous. Maintenant, vous savez tout. Ne nous abandonnez pas.